Jean-François Mercier! Jean... Le gala Les Oliviers a accepté que je présente un prix à la condition que j'accepte de suivre un traitement pour gérer mon agressivité. C'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Ah, je me sens renaître. Maintenant, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'aime ça, la télé-réalité. C'est merveilleux. Je vote pour sauver du monde que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. J'ai vraiment l'impression de faire une différence dans ma communauté. Je disais Richard Martineau un matin. Je trouve qu'il y a bien de l'allure, Martineau. En plus, mon sens de l'humour est demeuré intact. Comment fait foi cette blague désopilante? C'est un kangourou qui dit à un autre kangourou, « Hey, on sort-tu à soir? » Et l'autre de lui rétorquer, « Non, je n'ai pas un sou en poche. » Ça fait du bien de rire un bon coup. J'aimerais quand même m'excuser auprès de tous les kangourous que j'aurais pu blesser avec ma blague. Alors, dans la catégorie variété humoristique de l'année, le bye-bye. Ah non, pas le bye-bye. VTR. Dans la catégorie variété humoristique de l'année, les finalistes sont Dieu merci. Oh! C'est un magicien, il fait n'importe quoi. Vous faire apparaître un lapin. Et Dieu créa la flaque. Les goupilles, tu peux te dire? Oui, Gérard. Quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose dans quelque chose. On appelle ça un néophyte. Un néophyte? En plein ça, Gérard. Ici, Louis-José Houd. Quand ils obtiennent un diplôme, ils gradussent. Et quand ils ont chaud, ils sucent. Infoman, spécial 2008. Restaurant où l'on sert des pénis de serpent. Pas une petite couleuvre, ça. Et des pénis de chien. Arrêtez de me le demander, c'était dégueulasse. Les pieds dans la marge. L'importance d'être extrême. Brasse la caméra. Oui! Et le gagnant est... Infoman spécial 2008. Ben merci beaucoup. merci aux Oliviers de m'avoir rappelé cet excellent repas. Inquiète-toi pas, la mienne s'en vient. j'aimerais remercier toute mon équipe qui est là. Radio-Canada qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut.
Et puis, oui, il nous laisse faire ce qu'on veut. Et puis... J'aimerais remercier Zone 3, notre compagnie de production, ainsi que tous ses avocats. Et puis, j'aimerais remercier le ministre du Patrimoine, James Moore, pour son appui constant, ainsi que l'ensemble du gouvernement conservateur. Sans eux, il y aurait 20 minutes de l'émission qui manquerait à chaque semaine. Donc, merci beaucoup. Merci.